Non, mais c'est pas possible, ça. Oh, il m'en manque encore. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils les mangent ou quoi? Ça, j'ai dit à monsieur Laplace, hein, dans une salle de sport, il faut prendre des serviettes avec des couleurs horribles. C'est le seul moyen pour pas se faire piquer. C'est pas compliqué. Salut, Gérard. Bonjour, ma chérie. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse-moi, mais il me manque encore des serviettes. Non, mais tu te rends compte? Bon, mon pauvre Gérard, tu t'en sortiras jamais. On ne dit pas ça, je vais finir par le croire. Sinon, toi, ça va? Ouais, ça va pas trop mal. Surtout depuis 10 minutes. Ouais, ouais. Pourquoi 10 minutes? Eh ben, parce que regarde, mon horoscope, c'est mon jour de chance. Ah, l'horoscope, fais voir. T'es quel signe? Cancer. Cancer. Mm-hmm. Forme excellente. Ça, c'est bien. Des amours certains. Oh. C'est écrit, c'est votre jour de chance. Bon, moi c'est Sagittaire, voilà. Alors, Sagittaire. Ah, d'accord. Bah, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je comprends pourquoi il manque des serviettes, c'est tout. Non, c'est quand même pas marqué dans ton horoscope. Mais non, c'est pas ça. Mais il est dit... Voilà, problème dans le travail. Mais qu'est-ce que je vais dire à monsieur Laplace, moi? T'inquiète pas, tu vas les retrouver, tes serviettes. De toute façon, tu les retrouves toujours. Est-ce que tu es allé voir chez Marc? Mais oui, justement. Et c'est ça qui m'inquiète, elles n'y sont pas. Oh, tu vas pas nous faire une tête d'enterrement pour ça, hein? Non, mais tu vois, Magali, ça tombe très mal. C'est ce matin que j'avais un rendez-vous avec monsieur Laplace pour mon augmentation. Ah bon? Mais je crois que c'était la semaine dernière. Mais non. Le rendez-vous a été annulé. Il a eu une crise d'asthme. Oh, le pauvre, dans quel état? Enfin, c'est... J'ai pu le voir ce matin, tout va bien. Alors, ça s'est passé comment? Oh, écoute, il a été, mais alors, charmant. T'as eu ton augmentation? Ah non, 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 l'augmentation, c'est pas possible. C'est pas possible, non? Oui, bah parce que, tu vois, ce matin, quand je l'ai vu, oh, il était dans un état, il faisait peine à voir. Non, faut pas plaisanter, mais en ce moment, tu sais, les affaires sont très dures. Les affaires sont très dures, mais enfin, c'est toujours plein ici. Mais Magali, il n'a pas que cette salle de sport. Il a 2 restaurants, puis 3 hôtels. 4 ou 5 boîtes de nuit, il me semble. Non, et puis alors là, il paraît que ça va pas du tout, du tout. Ah, il est si riche que ça? Enfin, Magali, il est pas riche, je viens de te dire que ça ne marchait pas. Non, faut comprendre ses problèmes, c'est tout. Eh, faudrait peut-être pas te laisser faire non plus, c'est vrai. C'est pas toi qui m'as raconté qu'il avait un yacht, 2 Ferrari, un jet privé? Oui, c'est ça, mais alors le bateau, je l'ai vu en photo, un bateau de rêve, un 35 mètres, somptueux. Oh, dis donc. Et avec tout ça, tu vas me faire croire que ces affaires marchent pas et qu'il peut pas te donner une petite augmentation? Ah, Magali, tu te rends pas compte. Tu sais combien que ça coûte, 2 Ferrari en réparation et un jet privé? Tu sais combien qu'il paye de taxes à l'aéroport? Non, tu peux pas imaginer ça. Et son yacht à entretenir, mais ça coûte une fortune. Surtout qu'il a 12 d'équipage dessus. Et un cuisinier qui lui revient une fortune. Non, quand il m'a dit le prix de revient de 15 jours de vacances sur ce bateau, moi, ça m'a fait froid dans le dos. Ah non, une horreur, une horreur. Non, 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 faut se mettre à sa place. Non, tu vois, lui demander une augmentation, vu la conjoncture actuelle, non, c'était pas fair-play. Et à ton avis, il se moque pas un petit peu de toi? Non. Mais pas du tout, Magali, pas du tout, bien au contraire. Non, j'ai compris ses problèmes, c'est tout. Écoute, je lui ai même proposé qu'il me supprime ma prime de fin d'année. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Ah non, 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 Gérard, il n'en est pas question. Non, je veux pas que vous vous priviez pour moi. Mais c'est pas un patron génial, ça? Et ben, demain, si je suis patronne, je t'embauche. Ah bon? Car j'aimerais bien travailler pour toi. Bien, pour principe, tu sais, moi, les bonnes femmes, j'aime pas trop. Je te jure. Au fait, tu sais qui est là, seul dans la salle? Non. Daniel. Daniel est là? Et c'est maintenant que tu me le dis? Avec l'horoscope que j'ai, c'est mon genre de chance? Salut, Gérard. Ah. Bonjour, Magali. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Ouais, très bien. Vous arriviez? Non, je portais. Ah, Magali déjà? Salut, Gérard. Salut. Salut, Gérard, et bonne journée. Amusez-vous bien, tous les deux. Non, mais je vous jure, il y a des gens, ça se demandait s'ils ont été éduqués. Oh, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais ça y est. Ça y est, ils sont coincés. Mais avec la grosse, ça, c'était fatal. Mais que se passe-t-il? Ah ben,
ben voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu arrêté entre deux étages, là. Ah non, c'est impossible, on est... nous ne sommes pas coincés. Attendez, attendez. Excusez-moi. Hop. Eh ben oui, je crains que ce soit ça, pourtant. Ah non, 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 c'est impossible. Moi, j'ai un rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Ah ben la dernière fois, ça a duré 8 heures. Ouais, j'ai monté tous les étages à pied. Ah non, ah non, c'est terrible, ça. Ah non, je ne supporte pas. Je suis claustrophobe. Je sens que je vais crier. C'est pas grave, on s'énerve pas. Hein? Et puis, vous croyez que ça vous amuse de rester coincé avec vous ici? Attendez, je crois que ça va me répartir. Non. Je sens que je vais me sentir mal. Non, 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 non. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis, poussez-vous de l'autre côté là-bas. Non, j'ai besoin d'un homme pour me réconforter. Je rêve. Besoin d'un homme. Mais poussez-vous de devant la marche à suivre, enfin. Je crois que je vais avoir un malaise. Non, 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 ça va passer. Ça va passer. Ça, c'est pas le moment. Non, mais poussez-vous des... Oh. Daniel, aidez-moi, je vous en prie. Je rêve. Je rêve. Oh, mais arrêtez-vous. Oh, doucement. Madame Bellefeuille, tout va bien, tout non, va bien. Non, je manque d'air. Je sens que j'étouffe. J'ai besoin d'air. Daniel. Regardez comme il bat fort. Non, mais ça va pas, hein, Bibi. Hein, si on veut repartir, lâchez-le un peu. C'est pas vrai, ça. Mais lâchez-la aussi. Puis occupez-vous du mode d'emploi. Oui, madame. Ben, effectivement, on n'a pas de chance. C'est un encenseur néerlandais. Pourquoi? Ils sont pas sûrs? Non, mais c'est pas ça, c'est que les instructions sont écrites en hollandais, donc... Je comprends rien. Daniel, prenez-moi dans le... Ah, non, non, de toute façon, ils sont pas assez grands pour faire le tour. Mais... Oui. Ne vous inquiétez pas, il est un homme, il est un homme. Ah, un homme. Et on va appuyer. Hein, ils vont venir nous délivrer. Ah, Daniel, il est gros. Si vous me gardez comme ça contre vous, ça ira très bien. Ça va aller. Eh ben moi, je vais appuyer sur le bouton. Le pouce. Oh, merci. Mais c'est pas vrai, ça. Elle a une cigarette à bout doré qu'elle roula le long de ses jambes effilées. Oh, ça, c'est bien, ça, c'est du malouin coup tout craché, ça. Elle a une cigarette à bout doré. C'est quoi ce bruit, là? Non, mais c'est quoi, ça? Non, mais c'est pas vrai! Juste au moment où j'avais de l'inspiration! Non, c'est pas possible, un bruit pareil! Comment est-ce que je peux écrire dans ces conditions, moi? Et après, Daniel, il s'étonne que ça avance pas plus vite, mon roman. Alors... Elle alluma une cigarette à bout doré qu'elle roula le long de ses jambes brûlées. Bah, bien sûr qu'elle va se brûler puisqu'elle lui met... Et voilà, j'ai perdu le fil, moi. Eh, ça peut pas durer un bruit pareil, hein. J'ai porté plainte à la copropriété, moi. Je leur ai demandé de dommages et intérêts. C'est pas possible, ça, Marc. Vous êtes là, Marc? Oui. On est sorti précipitamment que ce bruit. Ah, je vois. Vous avez bien fait. C'est quoi, ce bruit? Le bruit? Oui. Quel bruit? Ah, le bruit. Oui. Le bruit. Ah, c'est fou, moi, ça me dérange aussi, hein. Ça vient d'où? Mais je sais pas, on dirait que ça vient de l'ascenseur. Ah oh, ben oui, c'est l'alarme de l'ascenseur. Il doit être encore bloqué. Ça fait des mois qu'ils doivent changer de moteur. Vous croyez qu'il y a quelqu'un dedans? Ah, certainement, autrement il n'y aurait pas la sonnerie. Ils sont pénibles, ces compagnies d'ascenseur. Au prix où ils sont payés, moi je comprends pas. J'écris des romans, eux ils réparent les ascenseurs. Chacun son métier. Fanny, mais si c'était les enfants qui étaient coincés dedans? Mais enfin, Claire, arrête de paniquer. Tu sais très bien qu'à cette heure-ci, ils sont à l'école. Ah oui, ça, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, mon roman attendra la fin de ce vacarme. Je peux pas travailler comme ça, moi. Bon. Eh bien, bon courage, mon petit Marc. À un séjour. Vous savez ce qu'on peut faire? Venez boire un verre à la maison en attendant la fin de la sonnerie. Excusez-nous, mais on n'est pas exactement tenu pour aller boire un verre chez vous, voyez-vous. Oui, je comprends. Ouais, fallait que ce soit moi qui vienne chez vous. Si.
t'arrive, Gérard? Il faut que je remette mon souffle. C'est que ça fait haut ici, hein? Gérard, 17 étages, pour un grand sportif comme toi, c'est rien du tout. Justement, je fais le plus vite possible, c'est... Oh, c'est affreux, si vous saviez. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur, il est coincé. Ah. Oui. Et t'as monté 17 étages pour redire ça? On le sait déjà. Ce que vous ne savez pas, c'est qui est dedans. Il y a plus de 200 locataires ici. Et justement... Oh, justement, tu vois, ce sont les enfants qui sont coincés, je te l'avais dit. Mais non, Claire, c'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que Vincent a encore séché les cours. Non, mais qu'est-ce que tu as su? Comment mon fils sèche les cours? Écoute, Mais non, c'est Daniel et Magali qui sont bloqués dedans. Hein? Eh, oui. Quoi? Oui. Oui, deux personnes. Elles sont coincées dans votre ascenseur pourri. Oui, j'ai bien dit pourri, oui. Depuis combien de temps? J'en sais rien, moi, 10 minutes. Comment ça fait pas longtemps? Oui, c'est 10 minutes de trop. Alors vous venez? Comment ça, vous consultez votre planning? Allô? 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 Comment ça se passe? Gérard est allé voir, nous on garde le contact. Daniel, Magali, vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas, Marc appelle la compagnie d'ascenseurs. Tout va bien, il y en a pour quelques minutes. Et nous, on est là. Hein? Comment ça, pas avant ce soir? Vous plaisantez, j'espère? Il n'est pas question qu'ils restent dans ces ascenseurs jusqu'à ce soir. Mais non, c'est pas des enfants. C'est justement ce qui m'inquiète. Mais comment vous avez pas le choix? Passez-moi le directeur. Passez-moi le directeur. Alors? Ben alors, il vient quand votre dépanneur? Mais j'en sais rien, je demande! Oh, je demande! Allô? C'est toi le directeur? Il paraît que tu peux pas venir avant ce soir? Comment ça, c'est pas possible? Mais on joue pas avec la vie des gens comme ça! Quoi, il risque rien? Qu'est-ce que t'en sais? Il s'agit de la femme de ma vie et de mon meilleur ami! Alors, vous imaginez s'il reste bloqué dans cet ascenseur jusqu'à ce soir? Ah mais, ah, vous allez entendre parler de moi, hein? Comment ça? Je suis écrivain, mon monsieur! Et mon prochain roman va s'appeler Panique dans les ascenseurs. Il y a des milliers d'ascenseurs de votre compagnie qui vont dégringoler. Oui, ça va être une boucherie, là. À côté, la tour infernale, ça va être un conte pour enfants. Un carnage. Alors? Bah alors, ils peuvent pas venir avant ce soir. Pas avant ce soir? Oh, mon Dieu. Ça veut dire qu'ils vont rester toute la journée, tous les deux, tout seuls, enfermés dans 2 mètres carrés. Oh, serrés l'un contre l'autre, et peut-être même dans le noir. Daniel? C'est moi, Marc. Tu m'entends? Magali, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous répondez pas? Ça y est, j'ai localisé l'ascenseur. Ils sont bloqués au 13e étage. Bon, j'y vais. Il faut absolument garder contact pour les empêcher de faire des bêtises. Ouais. Oui, vas-y. Marc, t'as eu la compagnie d'ascenseur? Mais c'est des nuls! Ils peuvent pas venir avant ce soir! Oh là 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 là, mon Dieu! T'as raison, les pauvres, ça va faire long, hein. Ouais, tu parles long. Bloqués tous les deux, seuls dans le noir, ça peut être long. Hein. Mais c'est dans le noir, tous les deux, ensemble, tout seuls. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas seuls? Il y a Madame Bellefeuille avec eux. Eh oui. Hein? Eh oui, je viens de leur parler. Ils sont coincés avec elle. Je dois dire, je suis sûr que c'est elle qui a provoqué à la panne. Alors, tu parles d'un tête à tête. J'en souhaite bien du plaisir, moi. Ah, il y a Madame Bellefeuille? Ah, ouais. Oh, mais c'est super, ça. Non, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Elle m'a toujours été sympathique, Mme Bellefeuille. Un peu enveloppée, mais sympathique. Oh là 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 là, c'est affreux, vous les entendez? Oh mais t'inquiète pas, Fanny. Il y a Mme Bellefeuille coincée avec eux. Oh, elle peut bien rester mijotée là-dedans jusqu'à ce soir, ça. Mais oui, mais oui, mais ça je sais, mais j'en viens. Seulement, elles viennent s'évanouir, Mme Bellefeuille. Alors vous comprenez, c'est exactement comme s'ils étaient tout seuls, tous les deux. Madame Bellefeuille, Madame Bellefeuille, réveillez-vous. Vous m'entendez, Madame Bellefeuille? C'est moi, Daniel. Non, mais regardez-moi ça. Elle est même pas évanouie. Elle bouge, elle gémit. Elle fait ça pour qu'on s'occupe d'elle. Allez, Madame Bellefeuille, redressez-vous un peu. Voilà, c'est ça. Et ne vous inquiétez pas. Ils vont venir nous chercher, OK? Mais arrêtez de vous occuper d'elle comme ça. Moi aussi, Daniel, je souffre et je suis angoissée. Je vais prendre sur vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger très vite. Vous allez voir. Ah, mais c'est bizarre, là. Daniel,
Je sens que je vais m'évanouir. Si, si, je sens que je vais m'évanouir. Oh, oh, Magali. Magali, respirez, respirez bien. Ça va passer. Comment vous sentez-vous? Oh, mais je manque d'air, là. Si, si, je manque d'air. Oh, je me sens pas bien. Non. Et puis alors, je crois que j'ai le cœur qui va exploser. Mais non, mais... Si, regardez. Vous sentez? Daniel? Magali? Qu'est-ce qui se passe? On vous entend plus. Magali, Madame Bellefeuille est toujours évanouie? Magali, qu'est-ce qui se passe? Répondez! Oh, j'ai la tête qui tourne, Daniel. Oui, j'ai la tête qui tourne. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Ça va passer. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, Madame Bellefeuille. J'ai dû m'évanouir. Vous allez mieux? Un petit peu. Un tout petit peu. Daniel! Magali! Qu'est-ce qui se passe? On vous entend plus! Mais enfin, répondez-nous! Daniel! Magali! Pour une fois qu'on a besoin de la Bellefeuille, il faut qu'elle s'évanouisse. Je crois bien que cette fois, c'est fichu. Daniel, vous êtes près de moi. Ah oui, oui. J'ai tellement besoin de vous. Oui. Je me sens si mal. Ah oui, je suis là. Magali, il y a un problème. Pourquoi on vous entend plus? Madame Bellefeuille est toujours évanouie? Non, Madame Bellefeuille vient de se réveiller. Ah, ça va mieux, hein. Je commençais vraiment à être inquiet pour cette pauvre femme. Oui, moi aussi. Ça y est, ils ont dû consommer, c'est sûr. Qu'est-ce que vous racontez? Mais la vérité. Je connais Daniel. Jamais il pourra résister à une aussi jolie fille que Magali. Il va en profiter, c'est sûr. Marc, mais Daniel est beaucoup trop bien élevé pour ça. Vous parlez de la galanterie anglo-saxonne? Oui. Ça va rajouter quoi? 2 minutes, pas plus. Il a jamais su résister à une jolie fille, lui. En plus, c'est vrai que cohabiter dans 2 mètres carrés, ça favorise l'intimité. Ouais. Puis ça m'étonnerait que Magali s'embarrasse de détails. L'occasion est trop belle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, rien, rien. Pauvre Magali. Seule, désemparée, face à Daniel. Oh, il peut se transformer en bête sauvage, hein, je le connais. Vous croyez? Il va tourner comme une bête fauve dans l'ascenseur. Et après? Après, il va lui dire qu'il a chaud. Il va enlever sa chemise. Ah oui! Après, il va se rapprocher d'elle. Près, très près. Elle va sentir son haleine toute proche. Et lui, il va planter son regard dans le sien. Et après? Après? Elle, bloquée, prise au piège. Elle pourra pas dire non. Et lui, il va se jeter sur elle, en laissant exploser son instinct animal, pour assouvir une dernière pulsion sexuelle avant de mourir. On est comme ça, dans l'ascenseur? Oui, avec Magali. Ma Magali. Mais non, c'est pas possible. Mais vous oubliez Madame Bellefeuille. Oh, oh, cette chère Madame Bellefeuille. Mais elle laissera jamais faire une chose pareille. Mais oui, Madame Bellefeuille. Ils auront jamais la place avec elle dans l'ascenseur. Oui, heureusement qu'elle est la gentille, Madame Bellefeuille. Oh là là, elle nous sauve la vie, celle-là. Ah, vous aussi, hein, Claire et Fanny. Heureusement que vous êtes là. Jamais j'aurais pu surmonter une épreuve pareille, moi. Ne vous inquiétez pas, Marc. Vous allez voir, tout va s'arranger. Oui, Marc. Grâce à cette bonne Madame Bellefeuille, rien ne va se passer. T'as peut-être raison. Je me suis fait du souci pour rien. Oh là là, ça s'arrange pas au 13e. Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Bellefeuille. Elle vient de s'évanouir à nouveau. Ah oui. Les pompiers! Oui! Vite! J'appelle les pompiers! Vous entendez quelque chose? Bah non, plus rien. Bah, c'est qu'ils ont dû finir. Vous croyez? Déjà? Enfin! Ça y est, les pompiers ont réussi à les débloquer. Ils m'ont dit que c'était une question de seconde, le temps de les faire descendre. Ah, la fin du calvaire! Ils sont forts, ces pompiers. Puis dans leur uniforme, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Moi, je bloquerais bien tous les ascenseurs pour faire venir la compagnie entière. Gérard, t'as dit quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mais t'inquiète pas, ils vont arriver. À propos, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas utiliser l'ascenseur tant que le réparateur ne serait pas passé. Il paraît qu'il y a encore un risque. Ah!
Magali. Daniel. Daniel. Madame Bellefeuille, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 100 fois que je vous dis de ne pas utiliser cet ascenseur qu'il y a plus d'une personne. Oui, mais j'ai pas pu résister. C'est tellement agréable de voyager en compagnie de charmantes personnes. Bon, c'est pas le tout, hein. Excusez-moi. Je vais voir si les pompiers n'ont pas besoin d'un petit coup de main. Et voilà, on a fini par sortir de là. Oh. Vous n'avez pas trop peur, Magali? Oh non, j'ai pas eu trop peur. Pas une demi-seconde. Moi non plus, Daniel. Pas avec vous. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Toutes ces émotions m'ont ouvert l'appétit. Pas vous, Magali? Oh si, si, beaucoup. C'est vrai, nous aussi. Oh oui, nous aussi, on a faim. Mais vous êtes fous? Les pompiers ont dit qu'il fallait attendre les réparateurs pour éviter que ça recommence. Il y avait un risque. Tant pis, on prend le risque. Mais moi, je fais quoi? Pas grave, mon petit Marc, on prendra le prochain ensemble.